Bonjour la Venée. Soyez beau. Soyez slibo. Soyez slibo, c'est hyper fort encore. Pourtant, j'avais baissé. Hein. Mais j'ai oublié de rebaisser. Tout à fait, soyez slibo. On est sur Spider-Mall. Spider-Mall qui va être en fait un FMV. On va juste faire la découverte, on va voir. On va avoir la petite heure de découverte et on voit un petit peu ce qui se passe. Un FMV d'horreur. Où on est poursuivi par un mall. Non, bien sûr, par une araignée. Après Spider-Fox, exactement. J'aime bien les jeux comme ça. J'aime bien les jeux qui commencent par Spider et après un truc bizarre. Ouais, je comprends Deltaplane. Je comprends tout à fait. Et voilà. Et du coup, genre Spider-Man. Ça dépend lequel. On va tester, on va découvrir. Ça va être narratif, ça va être un peu YOLO. Oui, bon, vous n'êtes pas obligé de... Ça, Spider, elle est relou. Ça va être un peu marrant apparemment. En tout cas, ça a l'air. Mais aussi horrifique. Bref, on va tester, je connais pas du tout. Attention. C'est parti. Je vais mettre un peu plus fort. J'avais beaucoup baissé puisque le son était hyper giga fort. Tonalité d'appel. Ah oui, on va avoir tous les sous-titres comme ça. À la YouTube. Musique de suspense, bip de texte. Ronflement de la bande. Musique d'entreprise électronique douce, grattage statique. Le grattage statique. Par contre, je vais vous gêner, je vais mettre un peu plus haute. Je vais y arriver, hein. Promis. Voilà, je vais mettre un peu plus haute. Oh, oh mince, j'ai passé l'intro, je pense. Attendez, attendez. Éjecté. Je vais recommencer puisque je pense que... Je pense que du coup, en faisant Alt-Tab, j'ai viré une cinématique. Oh non, c'est en anglais! Merde. On va y arriver! Professionnel! Arrêtez! Arrêtez, c'est compliqué! Ronflement de la bande. Hop là, petit ouli! Musique d'entreprise électronique douce. Grattage statique. Oui, c'est grattage statique. J'aime bien un grattage statique. Mais ronflement de la bande est plus drôle. Gros rompiche là. On fait ce qu'on peut. Ronflement de la bande. Ah non, c'était bon en fait. Explorer X, j'ai mis. Explorer X, j'ai mis. Bruit de pas. Bruit de pas qui crisse. J'en peux plus de ces sous-titres. Aucun... Je pensais pas que ça allait être comme ça. Bruit de porte. Je vais mettre plus fort, on n'entend rien. Lock, c'est la meilleure. Ah bah ça, on le savait. Hein. Clic et grincement de porte, et lock, c'est la meilleure, on savait. Bruit sourd de la porte, bruit de pas. Bruit inquiétant de l'immeuble. Les bruits de pas continuent. Bruit inquiétant. Très beau noyau, Lock. Merci. Visite d'un appart dans le 93, je reconnais. On en parlait justement. La porte les portes s'entrechoquent et grincent. J'aime bien l'ambiance là. Bruit sourd de la porte. Peggy 18. Bon bah allez hein, du coup ça va être
Ça va être difficile de se concentrer sur autre chose que les sous-titres parce que voilà, ils m'intéressent beaucoup, c'est comme ça. Mais ils sont là parce qu'il y aura des dialogues des moments. Bon, qu'est-ce que me fait ressentir un tapotement des pas? Ah ouais, tes basses doivent être un petit peu fortes. Ouais, c'est... j'aime pas ça. Moi, quand je peux les baisser, je les baisse. Mais il y en a qui aiment beaucoup. Il y en a qui aiment bien sentir vraiment physiquement les basses. Bruit de caca sur la fille. Bruit de pas. Je me cache le temps qu'il se passe un truc. Comme ça, vous êtes à fond. Vous êtes à fond ou pas, le chat? Je sais pas, hein. Je sais pas, mais... Bruit de pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mannequins en frais? Ça n'a pas de sens. Eh, au fait... Bruit de pas. Moi, je me secoue le lit. Mais je fais ça hors caméra. Les agents de sécurité, c'est ces trucs. Oh, damn. Oh non! Oh non! Attends, je vais lui faire une voix. Ah putain! Ah let's go! Attends, c'est ma voix à moi. Ok, ok, ok! Premier choix! Premier choix! First choice! On parle aux gardes ou on se cache? Mais j'ai l'impression qu'on a rien à se reprocher, nous! En vrai. Ah bah si, on devrait pas être là, c'est ça? Donc on fait quoi? Se cacher? Ouais, peut-être, ouais. Oui, ça fait backroom. C'est pour ça que j'aimais bien l'ambiance backroom. Ok. Oh, mais il faut trouver une intégration Twitch avec ça, là. Comme ça, moi, je joue pas. Je vous laisse faire. C'est trop un truc que je devrais faire un jour où je suis pas en live. Je vous laisse faire un jeu à choix, en entier, avec les commandes dans le chat. Se cacher. Ok, ok, attends, vous avez raison, vous avez raison. Les vigiles, c'est des ouf, en plus. Ok. Jean-Pierre Backroom comme acteur. Jean-Pierre Backroom. Dans les chiottes ou le magasin? Les toilettes, j'aurais tendance à dire que c'est trop un cul-de-sac. Magasin, t'as plein d'endroits où te cacher. Je pense que c'est pas malin de faire les chiottes. Mais après, les chiottes, tu peux plus faire genre « Oh, le magasin est fermé ». Mais non, mais il a pas l'air d'être ouvert de base, le magasin. Les magnasins, on est d'accord. Puis si les gens veulent aller pisser, ouais, ça se trouve, ils sont partis pisser, là. On est mauvais, le chat, avoue-le. Oh non, ça va, ça va. En vrai, on s'en est bien sorti. On avait fait un jeu, j'avais fait un jeu entièrement avec vos choix. On n'était pas beaucoup à l'époque. À l'époque, il y a genre un an et demi. Ou un an. C'était... Vous savez... Oh, j'ai oublié le nom. Il y a un truc qui fait penser à Duck dedans. Je confondais avec Duck. Vous savez, un jeu à choix où la DA est très particulière. Spider-Duck, non. La DA est très particulière et c'est un braquage qui tourne mal. Et ça fait un peu dessin mais photo en même temps. Ça fait un peu... Mais non. Ça faisait un peu visual novel. On reste sur place ou on passe devant eux? Bah, c'est con de passer devant eux, ils vont nous voir. Bah ouais. Je laisse, désolé, VOD, je laisse un petit temps. Attendez le chat, je vais peut-être l'afficher pour qu'on sache ce que vous pensez quand même. Duck Peek. Bref, c'était un jeu que j'avais fait entièrement avec l'aide du chat. C'était le chat qui choisissait tout. Et on avait eu une fin relativement bonne, je crois. Parce qu'on n'avait pas eu de mort. C'est beau, toi, la VOD. Écoutez, moi je dis rester sur place. Ouais, voilà, vous êtes à peu près d'accord. J'aurais pas le temps de faire à chaque fois un pôle, hein, donc on va le faire à l'ancienne. L'ancienne. Oh là, putain, la bande, elle est très... Enfin, on voit bien que la caméra, elle aimait pas le noir. Donc c'est gris, bleu, violet, en même temps, il y a tout. Caméra raciste, finalement. Quoi, déjà? On s'est déjà fait pécho? Mais OMG. La bande rebobine. Ah, on va pouvoir changer de choix?
on a eu une mauvaise fin. Coucou. Coucou, c'est qui, hein? C'est Dio, salut Dio. Putain, on a eu le mauvais choix. Ah merde, ça va être comme ça. Donc les chiottes, bah ouais, j'aurais... Bon. Oui, papa. Oh, je devrais le faire en simple, attendez. C'est bon, j'ai mon sample. Bah du coup, on va dans les chiottes alors. On est sur un jeu FMV un peu horrifique, apparemment. Merci. Ça va, petit Joe ? Bruit de pas. Ah, j'ai pas le grincement de porte. Ah non, il n'y avait pas, j'ai pré-shot. Ah, je dois choisir les chiottes. Je vais devoir choisir. Compartiment central cabine d'extrémité. Ah, genre ça change quelque chose, ça. S'ils fouillent une toilette, ils vont fouiller toutes les toilettes. Ah, là, c'est un petit peu plus divisé. Oh, il y a un petit... T'es très fort dans mon casque. Oh mais t'inquiète Dio, je comprends que tu... Genre t'es une vie quoi, même si bon ça, je t'excuserai jamais pour ça hein, mais... Non, genre pas de pincée, de passer quand vous le voulez ou quoi. Moi je dirais centrale parce que j'ai l'impression que de base quand on va aux chiottes, on va plus dans une chiotte de côté. Et ouais, y a un tap qui est très fort ouais. Je vais peut-être baisser un tout petit peu les bruitages par rapport à ça. Donc il y a deux centrales, un extrémité, donc on va faire centrale. Parce que je suis plus d'accord aussi en me disant deux bases, j'ai un... Je sais pas. Est-ce qu'on va vraiment... Non mais de base quand t'as les toilettes totalement vides et que t'es solo, tu vas dans la première que tu vois quoi. Ah. Ça je l'ai vu dans le trailer là, quand on fait comme ça. Quand on est caché, ça donne un peu envie de faire pipi, vous trouvez pas? Ah putain, direct. Ah on a des... Oh. Ah, on va devoir s'échapper. Sonnerie d'alarme? Non, mais pas. Ah bon, bah en tout cas, on a réussi à s'enfuir. Mais je crois que dans les deux cas... Ah, peut-être que dans l'autre cas, on n'aurait pas été trouvé. Par le gars. Et que du coup, on aurait peut-être pu continuer notre visite et à attendre un peu avant de se retrouver Keblo là. Eh bah évidemment, on va rester dans les thèmes, hein. N'oubliez pas, faut voter dimanche. J'ai pas cherché. Mais le chat est d'accord. J'avoue, là je me suis dit bon. De toute façon, là c'est du pif total. Autant il y a des choix qui peuvent paraître logiques, autant ça. Vu qu'on sait pas à quoi ressemble le couloir. Oh non, mais vraiment. Oh non, c'est le mauvais choix. Ah non. Mais non, mais comment on les pousse et tout. Mais on a même pas eu direct, on veut nous tuer quoi. T'as de la chance que la porte s'ouvre mec, hein, sinon tu te la prends dans la tronche, t'es assommé, en plus t'es mort parce que les agents de sécurité sont des malades. Non mais... Vraiment, ils nous ont pas vus. Ils sont trop nuls hein. Là on dirait des tueurs de... Des tueurs de DBD. Droite, on n'a jamais essayé. Ça dépend effectivement à quelle intensité tu vas à droite. Mais... C'est un FMV, il n'y a rien de logique. Si, il doit y avoir un peu de logique quand même. Mais non, mais il fait au pif. Mais tu vas tout bloquer, espèce de nulos. Il est trop nul. Ah, t'as déjà voté. Bravo. Escalier en bas ou porte à droite? Alors j'avoue que moi, sans vouloir vous influencer, mais je fais un peu, je choisirais la porte. Parce qu'on vient d'en bas en fait. Je dis pas de bêtises. Roule ta tête sur le digicode, comme ça là.
En fait, je fais du bruit pour que vous entendiez moins les claquements, parce que quand moi je parle, le son du jeu est plus bas et du coup les tic sont aussi moins forts. Porte, ok, let's go. Porte à droite. Hein ? Oh bah on a même pas vu l'animation, on y va. Ah ouais, d'accord. Ça cut to sec, hein, putain. On va un autre moyen de sortir d'essayer. Fais un trou dans le mur, je sais pas, mine. Faut tester, hein. Avec le temps, ça passera au bout d'un moment. Ben moi, si j'avais la carte... si j'avais la carte d'identité récente française, je pourrais faire... Je pourrais faire ma procuration par l'internet, mais je l'ai pas. Donc il faut que je la fasse faire et c'est pas démasultant. Mais c'est pour ça que... D'où mon voyage à Paris. Pouvoir aller voter. C'est pour ça qu'il tombe à ce moment-là et pas un autre. Bon, ça sera l'occasion de voir du monde. Bah mon passeport, il est plus valable normalement. Il est chez mon père aussi. Non, je suis pas inscrite au consulat. Parce que toutes les fois où il a fallu voter, je suis retournée en France en fait. Je me dis, oh bah c'est l'occasion, tu vois. Et du coup, j'ai jamais fait les démarches. Et là, bon, c'est vrai que j'étais un peu prise de coup. Let's see if this works. J'ai imaginé que j'étais avec des vêtements. Bon, ouais, j'ai laissé le truc au mon père, oui, j'avoue. Tu nous accueilles en Belgique si jamais? Vous accueillir, c'est-à-dire... Professionnel! Je vous vois avec plaisir. Vous accueillir, on en discute. Voilà. Est-ce que vraiment dans le chat, vous accueillerez tout le monde chez vous? Je suis pas sûre. Non. Mais s'il faut arranger quelqu'un, oui, je peux, oui. Si on discute un petit peu avant, évidemment, parce qu'il y en a dans le chat qui sont plus discrets, donc que je connais moins. Mais ça peut se faire. Par contre, c'est très petit chez moi. Il n'y a pas trop de possibilités. Mais on se débrouille. Quand du monde qui vient, on se démerde. Nous savons déjà où vous êtes. On vous voit. Je vous vois. Oh, la vanne Tweedledum et Tweedledfuck. Yeah. Well, I'm getting out of here actually. So why don't you keep your goons out of my way and it'll all be fine. Hein, pourquoi ne pas laisser machin et tout ira bien? Ne pas me laisser sortir, c'est ça? You got no chance of finding me. Il n'y a qu'une chance de me trouver. Mais qu'est-ce que... Toi, tu ne sais pas où t'es? We'll be chatting anytime soon. Non mais comment il fait trop son show? Il pourrait dire je veux juste sortir, laissez-moi tranquille. Il pourrait juste dire ça, tu sais. Non, il fait trop genre vous avez aucune chance de me trouver. Mec, c'est là où il bosse. Toi, tu ne sais pas où tu es, littéralement. Pas de quitter la France pour la Belgique. Bah c'est déjà le cas hein. Actuellement je vis en Belgique depuis 7 ans. Mais j'ai pas la double nationalité. On m'avait dit que je pouvais faire la carte de résidente permanente en tout cas. Mais oh là. Mais il fallait des démarches un peu longues donc sur le moment quand j'ai dû changer ma carte d'identité j'ai pas fait. Voilà. Oh, mais je pourrais. Shit. Oh, fuck. I can use this to call his mates. Non, il y a un dorifique, effectivement. Mais ça met un peu de temps, je pense. Vu que c'est un FMV en plus. Look, listen, your mate, he's in a bad way. I think you should come down here quick. Si, j'ai une carte d'identité, mais c'est une carte qu'il faut renouveler plus rapidement. Et la dernière fois, et ben... Oh. Ah, tronche. Bah non, celle que j'ai, c'est tous les 5 ans. Et le gars m'a dit, vous pouvez faire... Vous pouvez faire la carte tous les 10 ans, mais j'étais pas au bon service. Ou en tout cas, là tout de suite, je pouvais pas au moment où il m'a dit qu'il me fallait ma carte vite. Donc il m'a dit, bah là, je peux vous faire la démarche, mais pour la prochaine fois, vous pourrez faire une carte qui se renouvelle tous les 10 ans. Voilà.
Mais c'est dégueulasse. Ah oui, hein. Agressif, calme. Mais quoi, agressif, calme? C'est quoi? C'est... Comment ça? Avec le gars? Non, mais bah, je vais dire calme, hein. Je sais même pas de quoi il parle, donc de base, je vais pas commencer à lui dire de taper dans les murs et de tuer le moindre truc qu'il va croiser. Hello? Look, I was telling the truth. Bon, c'est très nanardesque, ça n'a aucun sens en plus. Hein. Yeah, I believe you. Ah, c'est qu'ils discutent au Toki. Great, because. Oui, c'est ça. Au début, j'étais comme étudiante, ouais, c'est ça. Moi aussi, je comprends. Hein. On a bien fait de commencer par ce jeu. Elle était attaquée par quelque chose. Look, I'm Mick. What's your name, mate? You can call me X. X? Yeah, as in Explorer X. That's what I'm called when I do this. Ah, mais d'accord, c'est un... C'est genre un YouTuber. Yeah. What's the fucking point of that? C'est d'accord que c'est tout claqué comme jeu. I mean, ah, c'est un petit jeu à la con, oui. Écoutez, voilà, on teste des trucs. Au moins, vous l'avez jamais vu, ce jeu, je peux parier. Bon, bah, c'est pas mal. Voilà, je vous ai fait découvrir un truc. Attendez, je vais voir ses notations. En frais. Positif, 33. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens pour jouer. Aventure du gaming. Bon, les FMV de base, c'est spécial. C'est un peu bizarre que chaque porte outside door I've tried has either been locked or chained up. C'est du danard, ouais. Bonne Gaël, des bisous. Je vais venir étudier les frites. Et le chocolat, let's go. Agreed. X, it's Mick again. Ah, je connais pas celui-là, Deltaplane. I can hear you. What is it? Listen, all the outside phone lines are down. I've never had that happen before. That doesn't sound good. That's not all. You were right about the doors. The mechanisms seem to have locked shut by themselves. Oui, il va falloir actionner des mécanismes. Ah, le FMV X-Files, il avait l'air sympa celui-là. Je connais pas assez l'univers d'X-Files. Mais ça pourrait être drôle à tester. What about the doors that don't have remote locking? C'est reposant en fait, j'ai l'impression de React. J'en ai enchaîné à l'intérieur, de quoi? J'ai pas lu. I'm gonna try and get the radio working outside the building. See if I can get help over from head office. How are you gonna get the radio outside, genius? Right, a bit less sarcasm. Ouais, arrête d'être relou, mec. Right, if I can get some step ladders, I can get to a skylight on the roof. Attendre une lucarne sur le toit, on peut essayer de quoi de d'actionner et d'activer la radio. Oh, will you? Thanks. I've got to stay here in the guard room and keep an eye on things. Otherwise, I'd go myself. You know how it is. Yeah, whatever. They're in a storeroom on level 1. Magasin niveau 1. Allez! And I'll tell you where to go. Allez, maintenant on peut jouer, nous. Porte de sortie électronique ont été bloquées, oui, voilà. Coucou! Coucou, c'est qui, hein? Surfmoine, t'as du Surfmoine. X, can you hear me? Oui, il t'entend, mais il répond pas parce qu'il est con. Yeah, I can hear you. I just spoke to Moose again, look, he's in a bad way, he's down on level 2. Can you get him and bring him back up here? After what that twat did, why would I go and help him? I want to get out of here. Non mais arrêtez de tergiverser. Je peux pas accélérer. Ah, sauver l'original, sauver l'orignal. Sauver l'orignal, c'est qui? C'est le gars? Obtenez les échelles. Ah, on me dit échelle. On aime bien le défi. Vous aimez bien surtout l'égoïsme. The classrooms. Ah ouais? Parce que les jeux issus de backrooms, enfin des univers des backrooms en général, ils sont un peu mous du fiac parce qu'il se passe rien, c'est juste l'ambiance qui est cool. J'ai un peu la pression. Ok, je vais... The classrooms.
Écoute, je le mets, je le regarde là, et puis on verra. Voilà, j'aurais coûté, au moins j'aurais. Échelle. Bon bah on me dit échelle, et bah go échelle. On sauve pas un orignal. Je sais pas, l'orignal pour moi c'est une sorte d'élan. Oh l'araignée! Mec. Mec, it's fucking here, mec. There's no way of getting the lights now. Who's he, Trapper? How big is that thing anyway? It's fucking huge. I can't sleep past it. Why don't you come down here and sleep? La même famille que les cerfs. Ah bah voilà. Doing everything. Salut gâteau. Alright, alright. Why don't you go find Moose? Ah, Moose. C'était son prénom peut-être et ça a été traduit. Trouver un élan. Le jeu nous propose de trouver un élan ou de trouver le poste des gardes. Qu'est-ce que... En vrai... Zoophilie, mais c'est pas pour un truc. Enfin, c'est bizarre. Oui, c'est via chat GPT. Allez, on va trouver l'élan. Ouais, c'est la traduction du prénom Mose. Trouver un élan. Mais il était couvert de sang, non? Ou alors c'est un autre? Ouais, c'est un autre tête. Trouver un élan. Ce jeu est très drôle du coup, ça le rend encore plus drôle. L'élan devrait être là. Ah oui, du coup, j'écoutais. C'est ça qu'il avait écrit. Ah, mais c'est si drôle. Bonjour. Avez-vous trouvé l'élan? Non. Non, on n'a pas trouvé l'élan. On a trouvé sa lampe torchée, ses chaussures. Yeah, what's that? There's a load of flammable chemicals in the old cleaner's storeroom. Get hold of that, and we can burn it out of the building. Yeah, sounds good. How are we gonna get out? Oh, you need to get hold of those ladders. But first, it's time for a bit of pest control. Hmm? Okay. Basic right. Control? I'll be back. J'ai pas compris. The quickest way to the storeroom is through Unit 18. You should see it on your right in a minute. Ah, pest control, ok. Ah, bruit de métal. Allez, faut qu'on voit le monstre. J'ai envie de le revoir. Elle a chuté en plus. C'est-à-dire que même officiellement dans le truc, elle est tombée là. Elle a essayé de venir, puis elle s'est lâchée et youh. C'est-à-dire qu'elle a foiré dans le jeu et en plus, le jeu, il monte ça n'importe comment. Mec. Mec. Oh putain, je l'ai plus mon... Mais si, j'ai mes émotes. Elles sont où? Oh, je les ai plus, elles marchent plus. Oh mince. Ah ouais, elles marchent plus, faudrait que je les rebaigne. Bon, on joue vraiment très peu quand même. Ah, l'araignée, mon araignée sur mon mur, oui. C'est 10 fois plus logique. On va faire à droite parce qu'on n'a jamais essayé, c'est ça? C'était ça le principe? Gauche! Encore à votre politique, putain! When you get to the next level, take the door on the right. Yeah, got it. Prends la porte de droite, bah je vais à gauche. Ouais. Une gauche un peu centriste finalement. Oh.
Ah oui. Donc on s'amuse, Joseph, de jouer. C'est vrai, mais bon. J'aimerais bien avoir une incidence sur le gameplay, quoi. Pour le moment, j'ai pas trop l'impression. Yeah, I think I've got two of these things. I just, I hope it's enough. Je fais pas d'effort aussi, c'est tout ce que je peux moi. Regarde. Non mais tu donnes dans le pire endroit. Mais oh là, mais les cuts aussi. Les cuts plus tôt, c'était pour nous montrer ça. Oh, il va y avoir l'araignée. I can't remember the way back to the guard room. All these corridors are fucking insane. Vas-y, le chat. Asseyez en telle, en Neymar. Le choix du vote. Le chat, il a dit massivement à 2-1. Putain, c'est vrai que les choix sont vraiment en plus, c'est rien quoi. Tu veux aller à droite ou à gauche? Tu veux ouvrir la porte maintenant ou dans 2 minutes? Tu veux un peu de chantilly ou beaucoup de chantilly? Ah oui, retour, faut faire droite. Ah ouais, non mais je suis pas l'itinéraire moi. Hein. Je suis que les... Oh, on passe par le trou, non? En vrai. En vrai, un peu... Faut un petit peu... Voilà, faut qu'il se passe des choses, non? Toujours viser le trou. Mais non, mais je sais pas, on... Dans le trou? Est-ce que vous voulez passer dans le trou? Le trou! Est-ce que le chat est avec moi pour aller dans le trou? Ok. C'est votre faute, hein. C'est pas, je vous ai pas du tout influencé. Aou! 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 Le trou! Le trou! Le trou! Ça va, Nakuromi? Ça se passe bien? Ouais, c'est un FMV un peu très nanardesque, donc c'est rigolo. Et après, on testera un jeu moins nanardesque. Et plus glauque. À savoir Amanda's Adventurer. Mais là, c'est marrant de commencer par ça, j'avoue. Claquement de pied, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tes pieds, ils font ça? Oh, attention, cachez-vous les yeux! Moi, je regarde pour vous. Putain! C'est le tardigrade dans... Content warning. Oh, arrête de couiner, t'as va, t'as fait de la luge. Bon, fallait pas aller dans le trou où il y avait l'araignée, hein. C'était un très mauvais choix de votre part. J'ai tout fait pour vous en dissuader pourtant. C'est drôle, on recommence. Oui. Non mais 15 jours pour se relever, mec, c'est bon. Explorateur X vomit ses tripes. Explorateur X devrait surveiller son souffle. Ma chère n'est pas ma copine. Ah. Princesse. 46. Oh, c'est ouf. Non mais tu m'étonnes que tu supportais pas Nakuromi. Putain, quel enfer.
Ah ouais, il fait très chaud dans ton coin, mais c'est aussi peut-être que t'es sous les toits ou des trucs comme ça. Oh, bon courage. Là, ça s'est rafraîchi en Belgerie. J'imagine que ça va un peu se rafraîchir pour vous aussi. Bon courage, putain. 46, non mais... invivable. Mais pourquoi faire? Elle nous fait juste faire de la luge. Tiens. Prends ce petit jouet que j'ai trouvé dans un Kinder pour tuer l'araignée géante. Tu vises, tu vois, elle a 40 yeux. Tu vises bien le 17e. Essaye. Ah, je m'y connais, moi. Elle dit qu'à la maison, quand il est faucheuse, c'est Bibi qui s'en occupe. Tiens, prends-lui aussi. Il s'y connaît. C'était prévu. Tout à fait, Mello. Ça va? C'est mes jouets Kinder que je garde sur mon bureau au moment où je veux faire des conneries. Bip du talkie-walkie. En plus, ça fait pause pile au moment. Merci beaucoup pour l'avocat de Amelopia. Merci beaucoup. Non, faut pas qu'il marche sur le jouet. Mais non, mais il va pas marcher sur le jouet. Il est trop fort. Il va pas marcher dessus. J'aime bien ma justification. Merci beaucoup, Kato, pour l'avocat d'eau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse allumer ou on éteint le système d'arrosage? Je sais. Ah oui, pour parce qu'on va foutre le feu, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? On risque de mourir? Ou pas? Finalement. On risque de mourir dans un incendie? Ou pas? En même temps, incendie, on n'a jamais essayé, hein? Faut tester, hein? Je sais pas. Laisser allumer? J'aurais tendance à dire que c'est plus malin. Parce que sinon, c'est le feu qui va nous buter, quoi. Pour le moment, j'en aurais beaucoup plus éteint. Ah, des aventurières et aventuriers. La purification par le feu. Bon, j'avoue, ça peut être drôle, ça peut être drôle. Quitte à partir, autant partir en cramant tout et en repartant à zéro, quoi. Qui couvre un bois. T'as le choix entre mourir d'un incendie ou de l'araignée, c'est ça. Franchement, je quitte à mourir de quelque chose, moi, nourrir l'araignée, ça me dérange pas. Mais éteindre le système, ça peut être drôle. SND. Alors vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? J'espère que ça va, petite Mélo, en tout cas depuis tout à l'heure. Éteins, laissez allumer. Eh ben écoutez, moi j'éteins. Vous l'avez dit. Allume. Bah il s'est déjà allumé. Mais bah c'est trop tard, désolé. Ton jeu fait peur? En vrai, non. La dégoûte. Tu vas voir la créature qui me poursuit. Je pense que vraiment, c'est à peu près 176,2 fois moins effrayant que Content Warning. L'araignée... Araignée est incroyable. Oh, j'ai eu le truc pyromaniaque. Ah, j'ai eu un succès. J'ai bu du shop pour ça. Regarde l'araignée. Tiens. Même le feu. Et voilà, on va mourir d'un incendie. Bravo, connard. En plus, il y a un élan dans les sauts. Il y a un élan et il y a des... Ça, c'est le personnage principal, les pas. La pire des maniaques, c'est la pyromaniaque. Prendre ça ou élan, bah oui. La traduction du...
du prénom Moss. Oh non. Oh mon dieu, un gif de feu. Comment faire? Ah, ouh, ça fait presque tiède. Parce qu'il y a du feu. Il y a tout qui est mal mis. Je pense que vraiment, c'est juste trois potes ou deux potes même qui se sont fait... qui se sont fait un délire dans un truc abandonné, là, dans leur cave. Et et voilà. Le mec se balade avec un filtre Snapchat. Right, moi j'aurais pris un autre filtre en vrai. Oh, on a pas de traduction. Moi je pense que c'est l'araignée qui est déguisée là. C'est un imposteur, c'est suspect. Il est suspect lui, c'est un imposteur. No fucking way I'm going in there. Mais si. T'as pris l'escabeau pourquoi, dude? Down to the basement from here. Then you can activate the power to the lift on the other side of the building. Je sais plus pourquoi faut activer. Oui, faut ouvrir les portes en fait, c'est ça. Ouais, le traducteur il a totalement arrêté à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ChatGPT a arrêté. Ça sent l'idée de con. C'est vrai. Moi, j'aime bien les idées de con. Enfin, dans les jeux, dans la vraie vie, je trouve que c'est con. Pour un net, voilà. J'entre pas là-dedans, mais pour toi, go. Mais Loka il dit, alors moi je le ferai pas, mais toi vas-y. Honnêtement, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans le trou. Quand même, vous avez oublié ce qu'on avait dit il y a 5 minutes? Pourquoi il va pas ce mec? Parce que il a des occupations, lui aussi, il a une vie, tu vois. J'avais déjà choisi, de toute façon. Let's do this. Peggy 18. Cliquetis. I'm gonna fucking need it. Cliquetis de l'échelle. Mais surtout... Cliquetis et rafleur de l'event. Ah non, de l'event. Pas de l'event. Oh non, mais... Là, c'est juste une succession d'images. Là, c'est vraiment... Là, on zoome sur une photo, là. Ah, c'est ouf. Ah, j'ai eu un succès d'aller dans la ventilation. Ça lag un peu, il semblerait que le gaz soit pas fluide. Hein. À gauche toute! Last. Comment t'ouvres ça? Avec ton nez? Tu vas renifler très fort la ventilation pour qu'elle sorte, hein? Recule et qu'elle sorte. Qui boit pas assez d'eau. On est d'accord qu'on entendait de fou sa pâteuse là. Hein. Je me suis dit que j'allais passer pour une sociopathe, mais c'est vrai. Hein. Les alertes de chaîne pour faire peur. Ouais, elles sont fortes. Je peux peut-être rebaisser un petit peu. Ouais, je vais rebaisser un petit peu le son général du bureau. Ça va peut-être baisser ma voix. Pourquoi aussi, non, c'est bon. Sur la figure. Voilà, là, c'est le bon son. J'ai du caca sur la figure. Putain, il met un truc. J'ai du caca. Yeah, I'm in the engine room. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, hein? C'est l'endroit qui ouvre les portes? J'écoute pas, j'avoue. Je suis peut-être pas très focus. C'est leur confiance. Nous, on respecte le plan. De qui? Ah, décidez-vous, parce que je sais pas de quoi ça parle. C'est... Franchement... Ça, le choix, ça pourrait être des Tobates ou Melun. Ça aurait autant de sens pour moi. Il y a des hommes armés sur le toit. Bah tant mieux.
Ouais. Moi, je dis... Alors, respecte le plan. Non. Fais confiance. Respecte le plan. Tomate. La tomate, c'est le premier choix. Choisis la tomate. Sounds promising. You better go and see what they want. Maybe we can get out that way. Hey, guys! Over here! Hey! Wait! Shit! Mick! Fuck! Oh, shit! What did I just do? Ah non, notre GPS, il est mort. I'm not going to try to get the lift working now. I need to find another way out. Ah, écho de... Obturateur ou porte de secours? C'est quoi l'obturateur? Ouais, j'ai essayé de bouger mes cheveux avec le souffle, mais j'ai pas assez de souffle. Obturateur, c'est la ventilation? Ouais, je dirais aussi obturateur. Le porte, bon, on s'emmerde. Obturateur, déjà, c'est un petite dégaine, quoi. Attendez, je mets sur YouTube. Obturateur dentaire. Ah bah c'est bien. Qui sert à obturer, à boucher. Plaque obturatrice. Se dit de plusieurs éléments anatomiques. Membrane, canal, muscle, artère. Qui sont en rapport avec l'ischio-pubien. Ah bah je vais choisir ça. Ou trou obturateur de l'os iliaque. Bah tout à fait, l'os iliaque, pardon. Ok, et eh ben pour le ziliaque et le l'ischio-pubien, je pense qu'on va choisir l'obturateur. Ça fait peur, obturateur. Et 12 def, en fait, c'est un couvercle, quoi. De quelque chose. Mais là, tu vas pas... Hein? Explorateur X respire bruyamment. Ah, c'est ça, l'obturateur, c'est la porte du garage, en fait. La porte du parking, quoi. Tu as attendu. Attention à l'araignée. Let's go, Indiana Jones. Oh non! Oh, c'est une araignée qui sort de mon corps! Elle crache du feu! Merde! J'ai accouché d'une araignée trop métal. Situation report. Métal! Je pète le... Statue dead. Jute. Ça tue du cul. Bon. Civilian Security Employee Mick. Statue dead. Accident intelligent by Rushmore Biocontainment Agent accidentally. Ils l'ont confondu avec l'araignée. Bon, demi-to. Ah oui, pardon, c'est peut-être trop fort. C'est trop fort. Je vais mettre moins fort. Voilà. Je mets un petit peu moins fort. Ah, moi, j'étais présumé rescapé. Coucou. Coucou, c'est qui, hein? Nosrek. Ok. Let's go! Et ben voilà, on a fini! Bon, on a une super fin. C'était Spider-Mode. Et n'oubliez pas que... En fait, c'était la fin. C'est pour ça que c'était long. C'était l'une des fins. Ok. La gauche a gagné. Ah, j'en peux plus. Et bah, c'était marrant. C'était marrant. Ah, c'est marrant. Et bah, On va couper la vidéo, la VOD, on va vous remercier. Merci le chat, c'est à cause de vous que je suis morte, je tenais à vous le dire quand même. Des bisous la VOD, c'était Spider-Mole. Attention, n'oubliez pas les... Oui,